Maintenant, la dernière des sept mélodies pour les sept notes de musique. Alors, je les résume toutes. On a vu mi, le petit oiseau, la, la fée, ré, le poisson, sol, la tortue, si, le lutin, fa, l'ange. Et maintenant, il reste la note do. On va voir les sept do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et donc, do, c'est un roi avec un grand manteau rouge. Alors, je vais vous chanter sa chanson. La chanson du roi d'eau. Voici le grand roi qui marche vers moi dans son manteau d'or et de rouge et or. Il me tend la main et écoutez les répétitions, il y en a beaucoup. Essayez de réécouter et de repérer. Après, je vous donne la réponse. Donc, la première phrase est la même que la deuxième. Voici le grand roi qui marche vers moi. La troisième. Dans son manteau d'or est la même que la quatrième. Et de rouge et or. Et la cinquième. Il me tend la main est la même que la première et la deuxième. Et que la sixième, et murmure bien, puis la fin change un peu. Oh, moi je viens, moi je viens. Et donc là aussi on est sur plusieurs cordes, et puis on utilise les quatre doigts. Donc je vais vous la jouer, et on commence par un do, ça va être trois doigts sur sol. Ça va être sol, la, si, do, 0, 1, 2, 3. Il faut faire cette préparation avant de démarrer, sinon vous allez démarrer pas très juste. Commence qui marche vers moi. Quatrième doigt. Dans son manteau d'or. Et on recommence. Il rouge et or. Et on repart comme au début, trois doigts sur sol. Il me tend la main et murmure bien. Quatrième doigt sur ré. C'est plein de fois la même note. Plein de fois le troisième doigt. Alors si j'explique un tout petit peu, donc deux fois le troisième doigt. Voici le corde de ré à vide. Grand premier doigt. Troisième doigt directement. Et après ça recommence. Trois, un, trois. Et pour la phrase 3 et 4. On saute le deuxième temps en fait. 4, 4, 3, il n'y a pas de deuxième. 1, 0. Et après ça repart comme au début. 3, 3, 0, 1, 3. 3, 3, 0, 1, 3. 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Voilà, donc à faire à l'oreille celle-ci. Autant que possible, sans vous aider des numéros de doigts, c'est mieux de le faire avec la première version que j'ai chantée. Où il n'y a pas de... Je ne donne pas d'indication. Il faut vraiment chercher que à l'oreille. Et puis après, vous l'avez avec les partitions et avec l'archet dans le chapitre 4 aussi. Voilà mon travail.